Hello tout le monde, comment rencontrez-vous? Moi je vais bien. Cet après-midi, on va retenter de live sur Guild Wars 2. J'ai bien dit retenter, puisque la fois dernière que j'avais testé, ça saccadait pas mal. Là, du coup, je suis passé par mon PC de stream. Normalement, ça devrait régler le souci. On verra bien. Mais en tout cas, cet après-midi, on se retrouve pour continuer l'histoire du coup de Guild Wars 2. À l'histoire de notre héros Nécromant. Du coup, la fois dernière, on avait EP niveau 40 pour pouvoir continuer du coup l'histoire. On va essayer de continuer ça. Je sais plus exactement où est-ce qu'on en est arrivé. Je crois qu'on avait débloqué Codecus, le donjon. Alors, attendez, je fais ma petite story comme d'habitude. Mais au niveau de la story, je sais plus trop exactement où est-ce qu'on en est arrivé. Tac, on va mettre le petit lien comme d'habitude. C'est dommage qu'on ne peut pas le sauvegarder. Tac. Voilà. Alors, voyons voir où est-ce qu'on en était. C'est le truc d'histoire déjà, je sais plus. J'ai déjà perdu, bonjour. C'est là. Nous, on était novices de leur visiter le forum des commerçants à l'Arche du Lion. Bah ça tombe bien, j'y suis déjà. Après, j'avais pré-shot le truc la fois dernière en débloquant l'Arche du Lion. Non, c'est pas du tout là, c'est là-bas. Bah oui. Ah. Hop. Let's go. Alors la story, je sais plus combien de fois je l'ai fait, mais je m'en souviens même plus quoi. Mis à part la fin. Ah mais non. Ah mais lol. C'est la première Arche du Lion, ça du coup. Ah ils ont pas changé. Ah du coup c'est ça peut rien avoir. Ça c'était la première Arche du Lion qui était sortie. Du coup là, c'est la map, la nouvelle map. J'ai l'impression. Ah non, 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 c'est là encore l'ancienne map. Oh mais ça fait bizarre de le revoir. Oh my god. Alors le lion au milieu, je sais pas combien de fois il a été reconstruit, mais il a pris tellement de tarifs. Ah ça me fait bizarre. Ok. Bienvenue, chers membres des héritiers du destin. Parlons de la menace des dragons ancestraux. Quand j'ai accepté de venir, je ne savais pas qu'un char nous servirait de chaperon. Je pourrais en dire autant pour vous, humains. On revient enfin quémander le pardon, Logan. Je n'ai rien à me faire pardonner. Logan, Ritlock, assez de chicanerie. Case, je doute que nous puissions à nouveau nous allier. Pas après notre dernière erreur. La Norn a raison. Quand Irstegalkin fait des erreurs, des gens meurent. C'est vraiment ce que tu penses, Zoja? Que tout ceci était ma faute? S'il vous plaît, notre heure est venue. Nous devons aider les ordres. Nous avons déjà combattu les dragons ancestraux. Et nous avons perdu, parce que quelqu'un était à la traîne. C'est à moi que tu parles? Vas-y, je t'écoute. Je te l'aurais déjà dit si tu ne passais pas ton temps à te défiler. Je devrais t'étriper une bonne fois pour toutes. M'étriper? Avec quoi? Cette épée humaine que tu as prise à Ascalon? Ça suffit. Je n'ai plus rien à faire ici. Alors, on se défile encore? Ils se foutent tout sur la gueule, quoi. Je vais aggraver les choses. Écoutez-la, celle-là. Logan a raison, pour une fois. J'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Et je refuse de me fatiguer pour des lâches et des imbéciles. Adieu, Case. C'est triste de voir Logan et Ritlock se disputer. Peut-être que si quelque chose pouvait les unir. Oui, je sais ce qui pourrait nous aider. Case, je dois partir aussi. Cette rencontre était sans doute une erreur, mais je peux peut-être la réparer. Nous avons donc échoué. Les héritiers du destin n'ont pas été réunis. Nous ne pouvons pas aider les autres. Comment pouvons-nous sauver la Tyrie ?
Je vais vous sauver. Hein. Alors, quel char stupide et arrogant, quelle tête de mule. Bidule machin. Tiens, il commence à se foutre sur la gueule, j'avais oublié ça quand même. Je sais, c'est juste que je. C'est vrai que Ritlag est en colère et hors de jeu, eux tous. Encore Logan, ça va. Hein. Il y a pire chez les humains. Vous avez raison, je dois d'abord me calmer, je n'arriverai pas à prendre contact avec vous. Ça reste pas trop compliqué comme mission. Oh, une clé du lion noir. Oh my god. Est-ce que j'ai un coffre? Yeah. J'ai deux coffres même. Allez, let's go, on ouvre direct. Oh, je... Enfin, c'est pas des trucs fifou, mais... Contrat permanent de comptoir. Oh, mais c'est trop bien. Oh my god, ah là, meilleur loot. Le comptoir express permanent. Mais que demander de mieux? Bah nice, en plein live en plus, c'est cool. Dropper un bon truc directement au bout de 6 minutes de live, wesh. Bien mettre mon micro, moi. Non mais c'est cool, je vais mettre ça sur mon inventaire partagé, comme ça tous mes persos l'auront. C'est nickel. Il y a un message. Alors, le général Almora Gardan nous ordonne de nous retrouver au quartier général des Veilleurs. Let's go. Alors, attends. Déjà, il y a l'inventaire partagé. Du coup, je vais tège ça. Je vais mettre ça. Et du coup, je suis... Oh non, mais non. Ah, c'est comme un sort express personnel. Réutilisable. Mais c'est trop bien! Hop, j'en profite, je vais prendre la thune qui traîne dessus. Oh, mais meilleur loot, wesh! Ouais, dog draconique. On s'en fout. Super, super butin. Ça, on a eu quoi? Teinture bronze, let's go, recycle. Je vais aller ranger ça. Alors j'ai un bordel là-dedans, wesh. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont, wesh. Si je marque plus long noir. Yes, bah let's go. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. 40 dans la banque, vous voyez, sous de ma gueule. Peut-être mettre la majuscule. Là. Je sais pas où est-ce qu'ils seront, mais hop, on range. Ça, on va vendre, c'est bon. Alors, du coup, on va au Veilleur. J'essaye de suivre le chemin. Y'a pas moyen de faire une TP au pire là, c'est où? Ah, c'est peut-être en bas. Je prends le TP quand même, hop. Tant qu'à faire. Rencontre avec mon mentor. Mais ça doit tellement qu'il y a des trucs que je m'en souviens même plus. Regarde, mais même là, c'est l'ancien. Oh là là. Je me souviens, elle avait pris une photo de guild ici, là. Ah merde, j'ai cher. Ah, mais ça fait trop bizarre de revoir l'ancien du lion, wesh. Ah, ça a bien changé, hein. Putain, ça a plus la même gueule, hein. Oh là là. Oh. C'est Soki, ouais. On va y arriver, on va y arriver. Merci
soucie de vos conseils, Général Gard Ham. Je transmettrai ces informations à la reine Jenna. Mais je ne peux rien vous promettre en retour. Le traité de Noir Faucon est le seul espoir de paix avec les Tchars. Il ne faut pas interrompre le travail des négociateurs, peu importe les risques. Avec tout mon respect, ambassadeur, c'est une décision ridicule. Ça suffit, maître de guerre. Merci, Dame Versa. Les veilleurs feront tout pour préserver un maximum de gens. Je vais cacher ça. Il y a trop de blabla, wesh. Bonjour. Qui êtes-vous, soldat? Je suis Azazrael Magnustan, mais mon nom, je m'en souviens même plus pourquoi j'ai mis ça. Je vais le recréer au rapport. Il y a maintenant 6 ans, un dragon s'est éveillé à Ascalon. Parti vers le sud, il ne laissa que mort et désolation dans son sillage. J'ai préféré rester sous le dragon alors qu'il nous survolait. J'ai survécu là où d'autres sont. À travers toute la Tyrie, j'ai entendu le terrible récit des ravages causés par les dragons. Humains et Silvari, unis face aux morts vivants déferlant sur leurs côtes. Les Azuras, chassés de leur cité souterraine. Tous ensemble, nous avons fondé une puissante organisation. Les Veilleurs, nous sommes fiers que vous ayez choisi de rester parmi nous. Vous obéirez à Forgal, l'un de nos meilleurs soldats et le plus coriace des Nords. Il vous apprendra à combattre aux côtés des Veilleurs. Les Veilleurs ont été créés pour vaincre les dragons, pour les détruire avant qu'ils ne nous détruisent. Certains doivent se battre pour la liberté de tous. Bienvenue chez les Veilleurs. Merci, merci. Je m'appelle Almora Gardam et je suis à la tête de cet ordre. Vos représentants m'ont envoyé une lettre stipulant que vous êtes leur toute meilleure recrue. J'ai hâte que vous prouviez leur dire. Je ferai de mon mieux, Général. Je donnerai tout pour vaincre les dragons. Dites-moi où combattre et je m'exécuterai. Ah, je vous aime déjà, recrue. Je vous ai assigné au maître de guerre Forgal Cairnson pour vous entraîner. Par ici, jeune femme. Je me fiche de ce que vous avez fait par le passé. Les Veilleurs ont besoin de héros, pas de raconteurs d'histoire. Ce qui m'importe, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui, pas ce que vous avez fait hier. Compris ? Oui, maître de guerre. Ok, calme-toi, bro. Si vous vous laissez une chance de réussir, tout se passera bien. Bon, passons à l'action. Des renégats menacent les négociations autour du traité liant la Crite et la Légion de Fer. Les Veilleurs doivent s'assurer que le traité est appliqué. Ces deux nations doivent combattre les dragons ensemble et arrêter de se chamailler entre elles. Vous aurez affaire au commandant Samuelson, chef de l'avant-garde des Bonnes et ardent défenseur. Oh, l'avant-garde des Bons, oui. Allez à Noir Faucon et arrêtez ces renégats. Ça date, ça, cette guilde-là. Ok, let's go. Let's go! Faut quitter, ouais. Mais ça fait bizarre de vraiment de retrouver l'ancien Guild Wars 2 au tout début, alors que ça a été tellement modifié depuis le temps. Oh, c'est un truc de ouf. Ok, faut prendre un TP déjà. Hop, on va aller plus vite, hein. On va pas s'embêter à prendre des TP, on se TP direct. On va se pour aller où là? Voilà. Il me semble que c'était la voix du mec dans Soldat Inconnu, ça, je sais pas pourquoi, il me disait quelque chose. Ouais, c'est bro. Sécurisez la porte. Que les dieux. Ne laissez pas les renégats s'échapper. D'accord, bro. J'invoque ta puissance. Merde. Fais chier une vidéo. Bienvenue à Noir Faucon, recrue. Je. Par les ailes du corbeau. Bon sang de bonne brume. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les Veilleurs. Balthazar, sois loué, vous arrivez à temps. Je suis Samuelson. Wade Samuelson, commandant d'Ascalon. Je suis le maître de guerre Cairnson, et voici ma nouvelle recrue. Faites-moi un rapport.
Le problème, c'est qu'une poignée de Char a fait passer des explosifs dans la ville. Ils essayaient de faire sauter un des murs extérieurs. L'avant-garde des bonnes a arrêté l'équipe de démolition. Mais les renégats continuent leurs attaques d'ici à la place principale. Ça ressemble à un vrai massacre, commandant. Comment pouvons-nous vous aider ? Nous devons nous rendre sur la place principale de la ville. Tournez à droite, suivez la route jusqu'au croisement, et vous verrez une grande statue au centre d'un square. Après avoir pris le square, laissez l'avant-garde s'occuper du reste. Mais sans un point de ralliement, nous sommes perdus. Qui sont ces renégats ? Pourquoi s'en prennent-ils à Noir Faucon ? Ce sont des Tchars ayant désobéi aux ordres des Hautes Légions. Ces idiots préféreraient mourir que de faire la paix avec les humains. Ils sont très dangereux. Nous allons prendre le contrôle de la place, commandant, et donner ainsi une bonne leçon aux renégats. C'est parti, recrues ! Let's go ! Allez. On va les goumer. Tomber ? Il faudra me passer sur le corps. Je vais les goumer, moi, tu vois. Après, je dis ça, mais Nécro... J'étais en gardien, ouais. Nécro, c'était pas trop ma... Ma classe de jeu. Oh no, I'm mort. Je vais sauver les copains. Vas-y, va te battre si tu veux, vas-y. Plus on est de fous, moins y'a de rire. Oh, ça vient m'attaquer, c'est mignon. Hop, on reste des copines. Ah merde, ça spawn encore. Putain, on peut pas être tranquille ici. Hop, c'est taille de monde. Goumez-le ! C'est comment le reste des gens là ? Nice. Ah bah. Il était reste tout seul. Ok. Là ils sont en retrait, ils arrivent encore à mourir quand même. Bon moi ils se font raise. Casse-toi là, si tu veux. Allez hop, on récupère ça. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai eu ?
détachement est à nous. Avant-garde, défendez cette position. Nous nous occuperons des fauteurs de troubles sur la place. Je pourrais vous saigner comme un porc. Mais wesh. C'est un peu violent. Merde. C'est pas le même délire hein, parce que j'aurais été avec mon gardien, j'aurais foncé dans le tome. Mais... non, je voulais sauver les copains. Quel timing, maître de guerre Carnson. Merci infiniment. De rien. Les Renégats commencent à prendre du poil de la bête. C'est la première fois qu'ils essaient de faire exploser la forteresse de l'intérieur. De nouvelles tactiques peuvent signifier qu'un nouveau chef est en place. Vous pensez qu'ils ont enfin trouvé un chef possédant au moins la moitié d'un cerveau? Je ne pense pas, j'en suis sûr. C'est un char nommé Ajax en Wilburn. Et cette canaille est un caillou dans ma chaussure. Vous savez quelque chose sur en Wilburn? Comment le traquer et l'arrêter? Nos éclaireurs ont affirmé que les Renégats possédaient un camp à l'extérieur de Noir Faucon. Mais mes troupes sont réquisitionnées pour protéger les négociations. L'avant-garde des bonnes n'a pas pu se rendre sur place. Mais je mettrai ma main à couper qu'il est là, lui ou ses soldats. Nous allons vérifier ça, commandant. Ces comiques ne devraient pas être trop durs à localiser. Je pense que c'était encore ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau en... défense, vitalité, guérison... prendre ça. Hop. On va ranger un peu là, parce que voilà. Le pire c'est que j'ai pris un truc, mais au final j'ai déjà beaucoup mieux sur moi, wesh. Ok, allez, let's go, on s'en va. Hein. Putain, j'ai tellement hâte que l'extension elle sorte là de Shinji. Ah putain, faut trop TP, je sais pas où. Bah non, c'est là. Instant tueur. Ah, c'est un fin de ruine. Alors, je vais prendre le TP là. Bah celui-là je l'ai déjà. Pas se faire yesh. Alors ce qui est bien c'est qu'au début tu pouvais pas le faire ça, t'avais pas de monture. Du coup maintenant on en profite. Attendez-moi. T'as gratté le display. Zéro dégâts.
Je vais me prendre une tatane, je vais rien comprendre. Sortons d'ici avant que d'autres de mes anciens amis n'arrivent. Je me réapprovisionne. C'est dommage, ça a bien monté ma barre. Est-ce que je gagne... Est-ce que je gagne du cœur là en tuant juste les abeilles là, les lucioles? Apparemment, non. Putain, je suis dégueu. Tant pis. Je suis encore en aggro, putain. Salut, gamine. Vous avez apporté votre arme ? Je suis prête à me battre. Et ne m'appelez pas comme ça. Vous ne vous laissez pas faire, ça me plaît. Ce sera une qualité utile contre ces renégats. Préparez-vous au départ et ne faites pas de bruit. Avec de la chance, on les aura pendant leur sommeil. Vous croyez que la chance sera de notre côté ? Vous savez comme moi que ce genre de chance n'existe pas. Mais essayez de faire des prisonniers. Il faudra les cuisiner si Anvil Burn n'est pas là. Donc on débarque et on crie « Coucou les méchants, rendez-vous ou mourrez », c'est ça? Écoutez la bleusaille. Il y a un temps pour la stratégie et un temps pour l'action. Pas besoin de tactique contre cette vermine, juste de la force. Entendu, chef. Très bien. Et inutile de les saluer. Rendez-vous ou mourrez, ça suffira. Allons-y. Oh, je dis rien, je les éclate. Du coup, attends, j'ai pas mes petites bébêtes. Ça, c'est dommage qu'il n'y a pas autant de mignons que dans le 1. Gain de niveau, let's go! C'est les mêmes, on est d'accord.
Ah non, il y a la rune qui change. Hop, vite fait, bien fait. Pauvre et cervelé. Où est Ajax Anvilburn? On sait qu'il est responsable des attaques sur Noirfaucon. Il vient de partir ce matin. Il est allé tuer un vaurien humain nommé Duran. Il prépare une embuscade au pic du sommet. Ils vont tuer Duran et laisser le couteau ensanglanté au vieux fracassier. D'une pierre, deux coups. Il parle du ministre Kent Duran, l'ambassadeur chrétien. Et je parie que Fracassier est l'ambassadeur des Hautes Légions. Vous êtes des veilleurs? Ha! Ajax va s'en vouloir d'avoir raté l'occasion de vous tuer. Dites à Almora, sa mère qui aime tant les humains, qu'un jour, on crachera sur sa tombe. Almora est la mère d'Ajax? Ça ne vous regarde pas, recrue. Oubliez ce que vous venez d'entendre. Oubliez? Vous plaisantez? Vous ne trouvez pas que c'est important? Les jeunes et la discipline de nos jours. Bon, d'accord. Mais pas ici, pas maintenant. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on file avant que d'autres renégats débarquent. Laissez cette vermine crever toute seule. Regagnons Noirfaucon pour prévenir Samuelson des projets d'Ajax. Non, faut dire qu'on les a un peu pétés, moi ça me dérangeait pas qu'il y en a d'autres qui arrivaient. Honnêtement... Discutons. Bah, let's go. Let's go. Oh, sorry. Y'a des bâtons. Yes. Que de la merde, let's go. Vraiment, le début de l'histoire, je m'en souvenais même plus, quoi. Qui êtes-vous ? Le commandant Samuelson n'a jamais parlé d'une escorte et vous n'avez pas l'air d'être de l'avant-garde. Nous sommes des veilleurs. On a eu vent de l'attaque prévue contre le ministre Duran. On vient s'assurer que vous le trouverez à temps. Une escorte ? Je suis un soldat de l'avant-garde d'Ebon. Je n'ai pas besoin de chaperons. On est des touristes, pas des chaperons. On emprunte les mêmes routes, on profite des mêmes paysages et on ratatine les mêmes demeurés que vous. Vous m'avez l'air de quelqu'un de raisonnable. Vous voulez vraiment nous dire où ne pas aller et qui ne pas cogner par une si belle journée? Je dois transmettre ce message au ministre. Je n'ai pas le temps pour ça. Tenez le rythme, je ne m'arrêterai pas. Direction le pic du sommet. Et ne traînez pas. Les meilleurs vont m'escorter? Oui. Mais n'en parlez pas à l'avant-garde, on se moquerait de moi pendant des années. J'avais une fille, elle ressemble. Bah écoute, je préfère me faire escorter même si je sais que je peux le faire solo. Au moins... Moi, c'est les 30 brouillards que je déclare. Oh, mais il y a du monde là-bas. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. On va éviter de quitter l'instant, ce serait bien.
Bah, tu vas avancer, wesh. Ah d'accord, c'est les fermiers et tout qui se vénèrent quoi. Tellement compliqué j'aime bien me battre à l'espadon et tout machin, tu sais, corps à corps. Ils n'essaient même plus de cacher leurs embuscades. Ça en devient insultant. Je vois une survivante. Tenez bon, il faut aller l'aider. Non, c'est trop risqué. Si l'ambassadeur est tué, beaucoup d'autres morts s'en suivront. Vous laisseriez vos propres soldats. Trop tard. Vous connaissez tous les risques en rejoignant l'avant-garde. Le devoir prime. Souriez, j'ai déjà raise. Oh bah les couilles, je vais les sauver. Hein. J'ai l'impression de pas faire de dégâts, wesh. De Balthazar. Somme ! Ces renégats font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, je reste tout le monde là, je m'en fous. Je me fais une armée. Attends-moi, wesh. Gardez Ascalon. Ils vont pas me suivre les deux. Ah, c'est bon, c'est une armée, let's go. Je crois, je me souviens, ils font semblant d'être morts. Ouais. Moi, je l'avais dit. Ça, je me souvenais, ça. On m'a une fois, mais pas deux. Moi il donne pas d'XP là. Ouais, c'est Colarda qui a pas d'XP. Putain, j'ai même pas gagné d'XP sur les 4 quoi. Wesh tes potos. Il y avait personne à raise avant. Non. C'est quand je débloque la zone. Faites-moi votre rapport. Allez, où elle encore là, wesh? Oh, casse les couilles. C'est chiant quand c'est toi qui dois suivre les PNJ. Et c'est pas eux qui tuent. Officier sur place, votre attention. Mais regarde, wesh, avance!
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, j'ai un message urgent. Le commandant Samuelson m'envoie de Noirfaucon. Vous courez tous les deux un grand danger. Comment ? Doucement, sergent. Respirez et dites-moi ce qui se passe. Ajax Sandvilburn et ses renégats préparent une embuscade. Ils comptent assassiner le ministre Duran et faire porter le chapeau à l'ambassadeur fracassier. On ne peut pas laisser faire ça. Duran, vous savez vous battre ? Pas aussi bien qu'un char, mais je me défends. On pourrait s'abriter au pic du sommet. La hauteur jouerait en notre faveur. Le camp est un bon emplacement de défense. Si les renégats ne se doutent pas qu'on les attend, on peut plus facilement prendre l'avantage sur eux. Sauf votre respect, monsieur le ministre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je suggère qu'on trouve la base d'Ajax et qu'on frappe les premiers. Ce sont les veilleurs qui ont découvert ce complot, messieurs. Peut-être devrions-nous les laisser choisir entre l'attaque et l'embuscade. L'attaque ou l'embuscade, ça peut être bien. Ah, je pense que l'embuscade, c'est ça. Nous allons partir pour le camp des renégats et attaquer avec toutes les forces que nous pouvons mobiliser. Non, c'est une attaque. d'avance, on peut les mettre, ça. Équipement. Ok, hop, ça on peut quitter. Alors je vais chercher le point là. Là, le point de TP. J'ai toujours un point de TP pas loin moi. Ah, y'a encore un boss. Ah non, c'est pas un boss. Même un boss à voir. Ouais. 10 ans de raise le truc. Il y en a encore beaucoup qui savent pas qu'il faut casser les barres de CC là. Oh, regarde vite sa barre elle. Alors, j'ai pas le temps de faire 20.
focus. Ah, bien oui. Mes félicitations à tous. À vous aussi, soldat. Avec votre aide, nous avons pu éviter un sacré bain de sang. Alors, défense vitesse, dégâts par altération. Il vous suffit de savoir que ce que nous faisons est juste. Chacun. Ah, c'est un truc, un respirateur russe. Ça va tellement plus vite à explorer avec une monture. Hein. Il y a un TP là-bas. Là. Ça déjà. Voilà. Rejoins le Forgal devant le camp Renégat. Il est où le camp Renégat? Il est de l'autre côté. Let's go. Vous voilà, recrue. Je croyais que vous étiez où. Bah non, je vais venir, t'inquiète pas. Nom d'un recrue. Venez raisonner cette femme. Elle est aussi têtue qu'une chèvre de chaman. Forgal, ce sont des renégats. Ils ne sont rien de plus qu'une bande d'agités enfermés dans une grotte qui n'a qu'une sortie. Si vous pensez vraiment que ce sera un combat difficile, vous devriez peut-être songer à prendre votre retraite, papy. Attention, soldat, ou papy va vous faire mordre la poussière. Ce sont des chars, et ils savent qu'on arrive. Ils ont choisi leur point de défense et ont eu le temps de le fortifier. Si vous foncez sans réfléchir, vous courrez à votre perte. Un homme sage m'a appris qu'il y a un temps pour la stratégie et un temps pour l'action. À votre place, je l'écouterai. Vous apprenez vite, recrue. Bien. Écoutez, sergent, il faut qu'on reste groupés si on ne veut pas se faire liquider un par un. On avance doucement, en faisant attention aux pièges. Recrue, je vous mets en première ligne. Dites-moi quand vous êtes prête. Bah ouais, normal quoi. Bah vas-y, je suis prêt moi, let's go. Fine Hall, on fonce dans le tas. Ah bah super. Chargé. Ouais, ça reste ton pote aussi. Assez d'énergie. Niquez-vous. On refait, niquez-vous. Restez vos potes là. Faut qu'on soit une armée, bro. Que les dieux vous protègent. Non mais voilà, ça y est, ils sont perdus. Allez, let's go. Hop hop hop, on se déploie. Let's go, final.
Oh, j'ai une claquée bon heal là comme un TB. Il a fait un tour bilan, il a pété tous mes potes. Putain, j'ai claqué mon ulti pour rien, wesh. Vous aviez raison. Les renégats nous attendaient. Ils croyaient être prêts, mais ils n'ont pas su résister à la force des veilleurs. Je ne comprends pas ces renégats. Pourquoi œuvrer ainsi contre la paix aujourd'hui, Antiri ? Avec les dragons qui courent, ce n'est pas le moment d'être divisé. Certains ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Ce traité nous rapproche un peu plus de la victoire, même contre Zaitan. Bravo, recrue. Vous apprenez vite. Vous vous adaptez et savez quand il faut dégainer. Au début de cette opération, je pensais que je ne vous aimerais pas. Almora m'a un peu forcé la main. Elle vous disait à part. Mais elle avait raison sur toute la ligne. Vous n'êtes vraiment pas comme ces autres jeunes qui traînent dans les couloirs de l'ordre. Je vous promeus au rang de croisés, mais que ça ne vous monte pas à la tête. Rassurez-vous, vieil homme. Et merci. C'est un honneur de travailler avec vous. Papy, ne poussez pas le bouchon trop loin quand même. C'est parce qu'il y a des cheveux gris. Attends, je vais visiter, quoi qu'il y ait des trucs à récupérer ici. Je vais raise mon copain. Ça fait toujours de l'XP. Let's go. Donc 125 XP là. Bon, il y en a rien à voir. On se casse. Est-ce que c'est loin? Je vais prendre le TP, je vais me TP là. Parce que un peu la flemme de courir jusque là-bas, je dois t'avouer. Putain, y'a un marchand là. Ça fera un peu de tri. Par contre, rip les trucs que je peux pas vendre, je... Cible détruite. Hop, allez, on se TP. Non, mais faut partir loin, là. C'est loin, wesh. On va partir de là. Wesh, c'est quoi cette loot qui vole là? Le scaraboule que je n'ai toujours pas. Faudrait vraiment un jour que je m'y mette. Hein. Que je me donne un petit moment et tout. Mais la quête elle est longue, je crois, chiante. Je vais YOLO, hein, vraiment. Hein. Je vois un trou, j'y vais. Let's go.
savais même pas qu'il y avait des trucs de combat comme ça. Ok. Bah nice. Moi j'allais où là? Wow, 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 qu'est-ce qui se passe ici un coup? It's a trap, bro! Bah écoute, ça va remonter mon cœur, ça. Nice. Je vais faire l'event, hein. Ça fait monter mon cœur. Ouais, pas tout, toi. Voilà. Bon, bah, ça a pas remonté grand chose, mais ça a remonté, quoi. C'est toujours ça de gagner. Essayer de voir si que ça se passe. Coucou. Vraiment trop pété ce truc. Voilà, les montures, ça change le jeu. Hein. Parce qu'au début, quand t'avais pas, tu devais faire tout le tour à pied, là. Là, ça facilite le déplacement. Bien joué, recrue. Vous avez sauvé le traité entre la Crite et la Légion de Fer. J'espère qu'ils vont réussir à instaurer une paix durable, Général. On ne vaincra les dragons que si les deux nations coopèrent. Général, je peux vous poser une question ? Ajax Sandvilburn, c'était votre fils, n'est-ce pas? Je vous arrête tout de suite, croisé. Ça ne vous regarde... Laissez, je vais répondre. Après ce que vous avez traversé tous les deux, la croisée mérite bien d'être au courant. Ajax était mon fils, mais comme le veut la tradition, je ne l'ai pas élevé. Je l'ai laissé au Farar, et il m'a retrouvé après le massacre de ma troupe par un dragon. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais fondé les Veilleurs, mais il répétait que je perdais mon temps. Il n'a jamais voulu voir la menace des dragons. Comme beaucoup de légionnaires, Ajax ne voyait pas plus loin que les Tchars. Je pleure la mort de mon fils, mais je ne regrette rien. Mes condoléances, Général, mais vos sacrifices ont sauvé le peuple de Tyrie. Merci, je le crois aussi. Général, garde esprit. J'aimerais demander à ce que la croisée me soit officiellement affectée comme partenaire. En voilà une surprise, Forgal. Alors, on s'attache ? Je n'ai pas le temps de former quelqu'un d'autre. Bon, d'accord. J'avoue qu'on fait une bonne équipe. Bien, j'accepte votre requête. Croisée, j'ai donné à Forgal plusieurs choix pour votre prochaine mission. Discutez-en et mettez-vous d'accord. Alors, laquelle de ces cultures tribales voulez-vous aider? J'ai toujours nourri une certaine curiosité envers les Skrits. J'ai toujours voulu nager avec les Quaggan, les Ilek. Les Quaggan. Les Quaggan. Les Quaggan. Soit. Je vous retrouve au lac de Wyrmsand. Je crois que je l'ai déjà fait en plus.
j'ai un nez. Alors, c'est des... Je vais dire j'ai eu un exo, mais... Non, non, non. No way. Let's go, le bordel. Alors, normalement, je dois choisir les stats de mes petits pieds. Dans mon skin de base, il ressemble à rien, wesh. Genre, je peux pas le recycler, ça. Ok, donc c'est arnaque, bro. Je sais même pas si j'en avais déjà. J'en avais déjà. C'est pas grave. Alors, Logan Thackeray, félicitations mon ami. La rumeur affirme que vous avez su vous rendre indispensable au sein de votre ordre. Je constate avec plaisir que vous serez en sort très bien loin de la crypte. Vous en sortez bien loin de la crypte. J'entends dire que Ricklock est hier effectué des recherches dans les catacombes d'Ascalonienne. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas fait le donjon. Après, solo, c'est un peu compliqué, surtout quand t'as pas le level. C'est compliqué, ouais. Du coup, déjà on a effectué ses corvées d'entraînement à la fosse. Attends, mais je dois être un nouveau auteur de level là ou. C'est bizarre pour jouer au niveau 50. Je suis niveau 43, putain. Ah, oui, non. Alors, soit je fais comme la fois dernière, je vais up avec des parchemins. Qui, je pense, est ce que je vais faire. Parce que j'ai un peu la flemme de farmer, de faire des cœurs et tout, tu vois. T'allais dire j'avais record chaque panorama pour une map. Oh, c'était tellement long. Et là j'aurais dû le faire la première fois que j'ai joué. Mais bon, je pensais pas faire un genre de truc comme ça ou une chaîne YouTube au tout début. Hein. Ça maintenant avec les lives et tout, ça m'aide. Je peux au moins c'est le live le jeu. Moi ça permet après de mettre sur ma chaîne YouTube tranquille. Bonjour, je m'invite. En avant.
Une tatane. Je suis en train de me fight à côté de leurs potes, ils sont pas les couilles quoi. Salut, ça va? Tiens, un coffre. Yes, let's go. Je sais pas si la barre en haut elle monte vite en tuant des... Non, ça va. Ah si, je les tank. Ah par contre, ça leur a mis des dégâts, mais moi j'ai rien pris genre. Putain, ça respawn vite par contre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Wesh, il y a du people ici! Écoute, j'explore. Là, le TP est sous l'eau. Ah. Ici, je connais bien avec les missions qui étaient sorties. Comment ils appelaient ça? L'émission d'engouement ou je sais plus comment. Bon, vas-y, on va stepper à l'Arc du Lion. On va prendre un petit parchemin d'XP. Non pas parce que j'ai pas envie de level up normal, hein, mais farm et tout. Ouais. C'est bon, quoi. De toute façon, c'est juste tuer des mobs, faire des mini-quêtes, bisous machin. Ouais. Pas non plus la story pure et dure de Guild Wars 2. En fait, level 50, ça me permet en plus d'utiliser un peu mes parchemins de merde. Spécialisation.
il me semble qu'il faut tout... Niveau 71, ouais bah j'ai encore le time. J'ai encore le time. Hop. Pour l'instant, je mets à l'arrache. Hein. Faudrait que je regarde des builds. Là, je peux même pas les utiliser de toute façon. C'est pas encore débloqué. Faudrait que je regarde des builds sur internet. Après, il y a le scourge. Hein. Je peux toujours faire scourge, mais bon, c'est pas trop dégâts. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais, je verrai plus tard ça pour le build. Message, mes hommages, héroïne. Ok, ils sont en danger à la tonnelle. Oh, tonnelle de crépuscule aussi. Tous les donjons que je peux. Je vais pas dire limite pas faire, mais tu peux faire, mais il faut trouver un groupe quoi. Et les premiers donjons, c'est peut-être compliqué. C'est peut-être le plus compliqué là, quand tu commences le jeu, c'est de faire les premiers donjons. Mais bon, au plus simple, faut rejoindre une guilde, hein, vraiment. Ouais. C'est vraiment le plus simple et le plus rapide pour pouvoir, pouvoir up tranquillement et faire ce qu'il faut faire quoi. Parce qu'il y a même des gens dans une guilde par exemple qui cherchent à faire la story. Donc rejoignez une guilde si vous commencez le jeu. Ça va être bénéfique autant pour vous et autant pour les autres. Pour mettre deux talismans dessus. Ok, j'ai pas rangé mes parchemins. J'ai pas rangé mes parchemins. Autant j'en ai beaucoup, mais autant je veux les garder quand même. Hein. Même si je pense pas faire autant de perso, mais je préfère les garder. C'est chier là, j'ai plein de trucs à jeter. Les réponses se cachent tout autour de vous. J'ai été conçu selon des normes d'excellence. C'est casse-couille. Je vous salue. J'ai failli acheter un sac de cuir. D'ailleurs, j'ai pas un gros inventaire d'ailleurs. Vas-y, je se jette. J'espère juste qu'il va pas me demander de réécrire un truc là parce que ça va être chiant. Ça je peux utiliser, ça je jette. On s'en fout, on s'en fout. Ça je peux. Je peux même pas les vendre. Bah wesh. Casser le truc. Bah frère, je fais déposer tous les matériaux, ça marche pas, et ça je peux les déposer comme ça. Qu'est-ce donc cette arnaque, bro? Ok, let's go, on peut continuer. Enquêter sur la disparition des Quaggan du village de Fouloulou. Ok, on peut se TP. On va les prendre. TP là-bas d'Argelion.
pas s'embêter, hein. Là, c'est cool, là, ça s'accole pas. C'est tranquillou bilou. Hellbreak. Je me souvenais pas qu'il y avait des Krogan côté nord, mais aussi. Pourquoi pas. Je suis jamais venu. Il est au-dessus le point de TP. Comment on monte ? Tellement rare que je vais chez les normes. Ça par contre ça a pas changé chez eux. Tout ce qui peut rapporter d'XP, je prends. Hein. Si je suis sur le bon chemin. Mais on va dire que ouais. Hein. C'est bon, je suis sur le bon chemin. Ah mais il y a un donjon à côté là. Ah non, je me trompe peut-être. Non, c'est peut-être pas là. Oh non. Oh non, les combats dans l'eau. Oh non. Pourquoi j'ai choisi les Quaggan aussi, moi? Je savais que ça allait être dans l'eau. Les récolteurs Quaggan disparaissent un à un. Ils partent en quête de nourriture et de provisions, mais ils ne reviennent jamais. Let's go! Vas-y, je te suis, bro. Ça va pas trop vite, hein, par contre, gros. Quaggan et Varonos Narijou, chef de ce cocon. Vous êtes des veilleurs? Oui, on nous a expliqué la situation. Mais vous devriez nous expliquer les détails. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Nous sommes pressés. Quaggan ont besoin de nourriture, ou notre ponte ne va pas survivre. Les récolteurs sont partis fouiller dans les terres de récolte pour trouver nourriture et matières premières. Mais fou, ils ne reviennent jamais. Nous allons enquêter pour vous, à commencer par le chemin qu'ont suivi vos récolteurs. C'est là que nous trouverons leur piste. Cours ! Quaggan est d'accord. Si vous trouvez Chachou sur la côte, elle vous montrera les montagnes où les récolteurs ont disparu. Vas-y. Let's go. Déjà, je vais les prendre solo.
pas où est-ce qu'il y a le point. Hop. Vraiment, c'est bien un truc que je déteste dans le jeu, c'est les combats aquatiques. Hein. Non, mais je pouvais quitter. Oh, un boss, bro. Oh, c'est un peu étonné. Ouais. Ça, je crois que ça s'ouvre avec une mission. Impossible de l'ouvrir, croyez-moi, j'ai bien essayé. Wesh. On peut pas être tranquille ici, c'est un truc de ouf. Hein. Mais wesh. C'est quoi tout ça? Allez, dans ce... voilà, merci. Ouh, le terrain de récolte est juste au-dessus, dans la montagne. Qui-Gon est désolé d'avance de marcher aussi lentement, mais on y sera bientôt. Nous marcherons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Mais dites-moi, pourquoi la récolte se fait-elle si loin du lac? Mauvaise glace! Qui-Gon ont fui au sud pour lui échapper. Mais la mauvaise glace nous suit. Maintenant, ça rend le lac trop froid et trop malade pour faire vivre les poissons ou les Qui-Gon. Votre mauvaise glace provient sans doute de Jormag, le dragon des glaces, qui a forcé mon peuple à fuir lui aussi. Nous avons fini par trouver un nouveau foyer. Ne pouvez-vous pas en faire autant? Pas avant l'éclosion des œufs de Qui-Gon. On ne peut pas les déplacer. Ils sont délicats. Ou cette génération de Qui-Gon sera notre dernière. Pas de chance, mais nous sommes ici pour vous aider. Tout d'abord, il faut retrouver les récolteurs disparus. Et puis nous nous occuperons de votre mauvaise glace. C'est bon, il y a les yeux violets. Regardez. Oh non. Suivons-le. Peut-être ils sont fait attaquer par des loups. Ne alors attends. Pas, on vient vous aider. En avant, ça fait peur. N'empêche, celle qui disait ouais désolé si je marche lentement, mais frère, il m'a mis. Bah, déjà ils sont déter aussi, mais. Le vent souffle trop fort! Attendez près des pierres! Et dès que ça pousse, bougez! Mais wesh! Je n'ai pas assez d'énergie. Oh, mais. Bah, ouais, je reste. Ouais, bah, vas-y, toi, je te dis rien. Frère, il dit rester près des pierres ou dans la réserve. Bah, il y a un sushi, wesh. Mais. Alors, si je me fais stun, je crois pas. Bah, il me dit rester près des pierres. J'ai pas un truc qui stun. Trois secondes. C'est pas beaucoup ça. Hein.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il court vite lui. Bon, non, je suis con. Je regarde pas ma minimap. Là, je suis congelé pendant 20 minutes là. Cassez-vous ! Bordel ! Casse-couille les trucs ! C'est grave, Chachou. Ce Quaggan corrompu va faire encore de la mauvaise glace et amènera encore des serviteurs de Jormag sur votre village. Il faut évacuer. Quaggan ne peuvent pas partir avant que les œufs aient éclos. Nous devons parler au gardien du passé, Oldu. Il connaît de nombreux puissants sorts de défense. C'est un bon départ. La défense, c'est bien, mais l'attaque est préférable. Votre peuple sait-il se battre ? Au combat, les Quaggan perdent le contrôle. Quaggan n'aime pas se battre. Attends, t'as vu le truc, wesh. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'où tu veux qu'ils se battent, wesh? Ils peuvent croquer, quoi, c'est tout. S'il revenait, il pourrait faire la différence. Qu'en pensez-vous, partenaire? Faut-il renforcer les défenses du village ou recruter leurs meilleurs et uniques combattants? Bon, les défenses, je pense. On va... Hein ? D'accord, on va préférer les défenses. La puissance rubis, c'est ce qu'ils ont. Prendre ça. Ouais, une clé des nains, trop bien. Objet d'événement, un vieux coffre. Un vieux cadenas. Est-ce qu'il n'y a pas... Oh, bonjour vous. Salut les petits loups. Non mais c'est pas des loups, c'est des béliers. Ouais. C'est des béliers. Oh putain, par contre, ils ramassent là les LXP. Ouais. Allez, allons trouver Oldu. Putain, il charge vite hein, maintenant le jeu avec DirectX 11 là. Enfin, je crois qu'il est activé, je sais plus. Parce que vu la fois dernière, j'ai fait un gros bordel. Ouais, il a activé DirectX 11. Ça charge vite maintenant. Puis en plus de ça, il est sur un SSD, alors ça va encore plus vite. Il fait que passer. Je peux pas monter. Voilà. Oh, salut toi. Cucut ça. Putain, j'ai tellement hâte de faire l'extension. Oh. Je pouvais pas imaginer.
Alors. Putain, je pensais que j'avais déjà quitté le truc, j'étais dans la zone rouge. Êtes-vous Aldou ? Nous sommes des veilleurs. Chachou a dit que vous pouviez lancer un sort de protection sur le village, et nous venons vous y aider. Kwagan est Aldou. Mais les Kwagan ont besoin de pierres magiques pour alimenter le rituel. Et les pierres sont loin au nord, perdues pour les Kwagan. En fin de compte, vous ne pouvez donc pas commencer le rituel. Si, Kwagan peut. Les Jotun ont des pierres puissantes qui iraient. Mais les Jotun sont des fous qui ne partagent pas avec les Kwagan. Nous pouvons y remédier. Forgal et moi sommes des experts quand il s'agit de convaincre les brutes acariâtres de baisser les armes. Les Kwagan ont peut-être une chance. Venez, Kwagan va vous montrer où trouver les pierres. Puis on casse leur gueule, on vole les pierres, puis let's go. Hein. Les pierres sont en haut de cette montagne, mais les Jotun aussi. T'inquiète, bro. Ah, il est déter, hein. Il va attaquer tout seul. Une nouvelle région. Lapin! Plus de lapin! Oh, ça en fait des Jotun ici! Regarde, peut-être qu'il y a des meilleurs armes que le bâton et d'accepte. Je sais pas, j'ai l'impression de pas faire. Après, j'ai pas non plus un build fifou quoi. Oh putain, il m'a fait une prise de catch le truc. Là. Protéger le site. Ça arrive derrière, bro. Bah t'as intérêt en fait. Ouais, commencez.
mais il faut du temps pour les canaliser. Wagan a besoin d'un peu de... Mais... Qu'est-ce que... Oh, oh. Il va se transformer en Jotun le truc, t'es. Ah putain, As B derrière, j'avais pas vu. Merde, putain, j'ai claqué mon... Ça peut pas bomber de derrière. Déjà à ce moment-là, il y avait des TP chelous quand même. Diablotins sont plus forts qu'ils ont. On va parler à un manche folle. Ah putain, là, gros. Comment je vais refaire descendre. C'est ça. Nickel, bro. Les résultats du rituel. Il va se transformer en gros boss, tu sais. Du pouvoir de la pierre magique. Maintenant, Quaggan peut protéger le village. Content de vous entendre dire ça. Avec les meilleurs éléments d'éveilleurs, nous sommes fin prêts. Quaggan accompagnera le gardien du passé, Oldu, jusqu'à Falualu pour l'aider à préparer le rituel. Bien. Nous vous retrouverons là-bas. Les créatures sont franchement têtues. Ah, pardon. Je voulais dire dévouées. Pas parce que je ne les aime pas. Alors. Hop. Ouvrons toute la marmaille. Mais il y a un problème, hein, regarde. Ah, bah là, d'accord. Là, je suis d'accord. Je peux pas les déposer. Et tout à l'heure, il y avait un problème. Hein. Ok. Hop, tac, tac. On se casse. Alors là, il faut retourner du coup. Voilà, au bord du lac, là. Je me suis éclaté. Non, laisse-moi toi. Hop. Evacuation! Fuyez, pauvre... Nous y voilà croisés.
Les œufs sont sur le point d'éclore et les responsables de la couvée sont prêts à emmener les petits Quaggan à l'abri. Nous retiendrons les couves givres le temps qu'il faudra. Baranos Narijou nous a laissé quelques Quaggan pour nous aider à retenir les assaillants. Elle perce aussi un trou dans la glace, par lequel les réfugiés pourront partir. Allons voir comment elles s'en tirent. Il y a des bruits chelous dessus quand même. N'aie peur, n'aie peur. Les gars sont tous morts, tu sais. Allez, hop. Patrouille aux abords du village. Ah c'est elle, chachou. Ah shit. Bah ils sont où les ennemis? Bon je veux bien défendre mais où ils sont tes ennemis wesh? Briser la glace. Why is it? Bah, allez où sa glace? Ah là, je l'ai trouvé, ouais. Alors est venu, il a corrigé le royaume, ouais, ça va. Éclater la glace! Protéger les Quaggan en fuite. Bah mais... Moi je veux bien les défendre mais y'a pas d'ennemis wesh. Ah si c'est bon, les blancs. Fight. Let's go. Allez venez tous sur moi aussi. Voilà c'est ça, viens de vous battre. Je sais pas trop ce que c'est les compétences sous l'eau, mais vas-y, vas-y. On est en bas, en bas, ça se fight, ça se fight. Viens dès là. Je vais aller chercher l'autre groupe là. Putain, y'a combien de groupes, wesh? Aïe, ouais. Voilà, c'est plus des petits trucs, là. Ah, c'est des gros messieurs, wesh. Ouais. Yes.
coup de. Ça se trouve, ils sont passés au-dessus, il y avait des mecs, ils sont tous morts, tu sais. Ah pétain, ah pétain. The B c'est un boss. Bah il a mangé le boss de son mais. Il s'est fait rétam le boss. Beau travail. Les Quaggan doivent se rapprocher d'Olbrak à l'heure qu'il est. Ils trouveront bientôt un nouveau foyer permanent. En supposant qu'ils puissent trouver un endroit où s'installer. Après ce que nous avons vu, je ne suis pas certaine qu'un tel endroit existe. Sans même parler d'être pérenne. Calme tes grommelles, mon petit. C'est à moi de les prouver. Eh oh, on m'appelle autrement que mon petit Loche. Avant que nous arrivions. La corruption du dragon se répand. Trouvons un endroit confortable pour attendre notre prochaine mission. Puissance guérison. Ouais, mythe une nouvelle dague. J'aurai peut-être un peu plus de dégâts, lol. Ça commence niveau 52. Ah, je peux enfin porter des exos. Let's go! Wesh, j'arrive, je me fais attaquer. Il y a plus de respect ici. Ok. Protéger le sanctuaire. Ah putain, il va falloir rank up, je pense. Enfin, rank up. Tu m'as compris, level up. Voilà, niveau 60. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Au moins, ça me permettra d'avoir un acte. Je sais pas comment expliquer ça, mais vu qu'il faut être level 60, il faudrait continuer à farmer. Moi, j'utiliserai un parchemin, hein, je vais pas m'embêter. Comme d'habitude, de toute façon, c'est juste pour faire, je vous ai dit, des cœurs, ouais, des cœurs en fait, explorer, des récupérer des panoramas ou des trucs comme ça, je veux dire, gagner de l'XP quoi, en fait, c'est tout. Ah bah tiens, hop, des nouvelles bottes. Ouais, des teintures. Déjà. Et l'autre, elle est où? J'ai déjà. Let's go, les teintures, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Recycler les chefs d'œuvre. Vous voulez que je bousille tout seul hein. C'est quoi les gold? Non, la limite, les gold, je vais recycler que ça. Hein. Ah, bah, je peux pas, let's go. Oh putain, en plus j'en ai deux. Voilà. J'en avais qu'un, pardon. On va. Attends. Voir si ça remerde pas. Déposer, déposer, déposer. Ok, de la chance, ouais. Bon, tout ça déjà. Bon, je sais que certains touches pourraient le vendre au marché noir, mais. Enfin, au marché noir. Compagnie du lion noir, mais flemme quoi. Ah, ça, je peux pas recycler. Fait chier. Ah, même ça, regarde, je sais pas, il y a des bugs, regarde, je peux pas recycler les bleus. C'est bizarre. Mis à part, c'est peut-être des trucs bas level, j'en sais rien. C'est chelou, ouais. Yes, bah écoutez les gens, j'espère que ce petit live vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de continuer un peu la story de Guild Wars 2. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent pour vraiment avancer dans la story parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Bon, je vous passe les détails du rank up à chaque fois, hein, vraiment. Je vous dis, vous loupez rien. Hein.
C'est juste de l'exploration, faire les cœurs, tout ça, tout ça. Moi, personnellement, j'ai déjà fait et vraiment, sinon, ça va extrêmement allonger le temps de jeu. Et honnêtement, pour un jeu que j'ai déjà fait au moins 10 fois, c'est un peu chiant. Je dois l'avouer. Mais si vous découvrez le jeu, faites-le. Honnêtement, il y a des quêtes assez sympathiques. Enfin bref, comme j'ai dit, j'essaierai d'en proposer un peu plus souvent. Ce qui nous permettra de découvrir un peu plus souvent aussi le jeu. N'hésitez pas à me suivre, comme d'habitude, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, Twitch, YouTube. Pour être notifié notamment des prochains lives, des prochaines vidéos, des VOD de live. Également sur YouTube. Et puis voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de live. Je vais vous envoyer chez lui, tant qu'à faire. Alors, Action. Si il y a Percy qui est en train de live sur GTA 5. Je sais pas s'il fait du RP ou s'il fait... Ouais, ça a l'air d'être du RP. Je vais vous envoyer chez lui, passer lui un petit coucou. Puis on se retrouve bien demain, normalement. Pour un nouveau live. Pardon. Portez-vous bien, bonne soirée à tous, bonne nuit. Et à demain, des bisous.